Salut les boys, c'est Steph. Comment ça va vous autres? Moi ça va bien un petit peu pire. J'ai décidé de prendre une marche avec mon chien. Pour y dégourdir les jambes un petit peu, tu sais, parce que là je travaille souvent, j'ai pas le temps de le promener. Fait que j'ai décidé d'aller le promener dans cette boutique. J'avais remarqué ces genre de vieilles maisons là, grange, je sais pas si c'est vu, il y a l'air d'avoir plein de tracteurs. Juste là, c'est sûr que ça appartient à quelqu'un, mais il n'y a pas personne ici. Fait qu'on va aller voir ce qu'on peut voir. Yeah! On ne fera pas de bruit. C'est vraiment un beau spot. C'est super grand. Puis moi, je sens que je vais triper bien raide. Parce que juste là, attends un peu, voilà. Il y a 3-4 vieux tracteurs. Moi, j'aime ça, des vieux tracteurs, des vieilles granges, des vieilles Camaro. J'aime pas mal tout ce qui est vieux. Je sais pas, j'aime ça, les vieilles affaires. Pis ça, ben, je trouvais que c'était... Ça m'intriguait, il fallait que je vienne voir. Fait qu'on va regarder ça. Je vais fermer ma gueule pour une couple de minutes. D'un coup, qu'il y aurait du monde, tu sais. Là, il a neigé, là, 2-3 jours. Pas personne qui a l'air d'être venu. Il n'y a aucune trace. Mais, je sais ça. 2-3 jours, ça fait pas assez longtemps. Il pourrait y avoir quelqu'un qui arrive. Fait que je ferme ma gueule puis on fait le tour de ça. Yeah! Non, mais sérieux, les boys, j'en ai manqué une, hein. Ah, wow! Des hosties de beaux gros tailleurs! Ouais, ils sont beaux en crise, ces tracteurs. Voir que ça, c'est un vieux Ford. Il est vraiment beau. Puis lui, je sais pas si c'est pour les morceaux. C'est un vieux Ford aussi. Comme vous pouvez voir, les devants sont pareils. Fait que j'imagine que c'est deux Ford pareils. On peut voir ici qu'il y a comme un genre de cage. Une cage à chien. Je ne sais pas trop. Des lapins peut-être. Des lapins ou des poules. Quelque chose comme ça. C'est bien plein de bois juste là. Ça, c'est la maison-là. Je ne sais pas trop. C'est une maison garage. Je pense. Oh, regardez à l'intérieur. C'est comme un genre de vieux chalet. Il y a une table avec des pommes toutes pourries juste là. On va s'en aller plus loin. Voir s'il y a de quoi de mieux à regarder. C'est barré. C'est vraiment de la place. Aimez-vous ça mes vidéos? Hey, j'espère que vous les likez tout le temps. Hein? Hey, on est-tu assez chanceux? Et là, son le dégné était plein de barré. Regardez celui-là. Regardez celle-là. Celle-là, il a l'air vraiment hot. Ça a l'air une vieille cabane tout crache qui est en train de tomber en morceaux. On va aller voir. Yes! Moi, j'aime ça visiter les affaires. Oh! Il y a comme un genre de petite rivière qui sépare
ici, puis regardez ça, je peux même pas passer là. On va passer au travers de la neige, c'est une rivière vraiment. Fait qu'on va s'en aller, genre un peu plus loin, là. Je veux que ça passe un peu plus loin. Puis hey, là-bas aussi, il y a une vieille. Un vieux. Une vieille. Je sais pas. Grange ou garage. Fait qu'on s'en va voir ça. C'est une belle journée d'hiver aujourd'hui. On est le 22 ou 23 décembre. Noël, c'est dans 2 jours, 3 jours. Hey, je suis vraiment chanceux de prendre une super belle marche. Direct de même dans la forêt avec plein de neige. Elle est toute collante, on peut faire des beaux bonhommes de neige. Ouais, je suis chanceux de prendre une belle marche ici. Parce que c'est vraiment hot. Juste avant Noël, une belle exploration. Hein? Yes, sir! Fait qu'on va aller voir ce building-là juste en avant de moi. Fait que ça, ça m'a l'air d'être une vieille grange ou un vieux garage, exactement comme que je disais, v'là 2 minutes. C'est un genre de shack pour serrer tes cochonneries, tu sais. Parce que j'imagine que là-dedans, ça doit être juste des cochonneries. Oh, on a des vieilles portes. Un vieux lavabo. Encore des vieilles portes. Ici, il manque un bout de toit. Vraiment, d'après ce qu'on peut voir, c'est une grange à portes. Parce qu'il y a des portes là, il y a des portes là, il y a des portes là, il y a des portes ici. Hey, regardez ça. Une vieille porte de dépanneur. Une porte de vieux dépanneur, là. Regardez ça, les stickers. Hey, j'espère que j'avais pas le droit sur le trou. T'entendais rien à ce que je dis. Ouais, ça, c'est une vieille porte de dépanneur. Au moins, il y a une belle vieille porte de dépanneur. On va essayer de passer par-dessus les vidanges. Bon, ici, on a des bouts de comptoir. Oh! Un restant de plancher en céramique de toilette. Fait qu'ici, ben, c'est le domaine de la porte. Fait qu'on va aller voir ailleurs. On va suivre petit poke. En poker, on va aller voir l'autre vieux bâtiment. Tu vois qu'il y a comme un char ou des tracteurs qui ont passé ici. Voilà un petit peu. Hey, j'avais raison. On se trouve à être droit sur un beau petit pont ici. Il y a encore des cages. Mais ça. Encore des belles cages. Ben, pas belles là, mais cages. Ici, on a un. Hop! Oh, encore une porte. On a un stack. Un stack de bois. Hop! Oh, il a pris la moitié de son toit là-bas qu'il l'a mis ici. Ouais. Fait que c'est ça. Ça, c'est du bois. Des planches de bois, j'imagine, de grange qui fait vieillir. Ça, c'est comme une vieille porte. De grange ou de ferme aussi. Hey, je l'ai dit souvent, le mot grange aujourd'hui, je trouve. Bon, ce bâtiment-là. On peut voir qu'il y a comme une combustion lente ou un foyer. On peut voir que c'est laid. Hein? Fait que j'imagine qu'il n'y a pas personne qui reste ici. 24 sur 24. Parce que c'est vraiment lait. Ah, Chris. En tout cas, c'est barré. Ça appartient à quelqu'un. On va essayer de voir là-dedans. Ah, c'est une grange qui croche. Il y a juste des bouts de bois, des bûches là-dedans. Hey, je vais couper ce clip-là. Puis je vais le reprendre. Sinon, le clip va être trop long. C'est bien trop long. Des longs clips, là. Uploader ça sur YouTube, là, c'est interminable le temps que ça prend. Oh, checkez ça. Il y a un autre vieux building là-bas. Aïe, aïe. Je peux pas faire une vidéo d'une demi-heure là-dedans. Bon, ben, je coupe ça, puis on va aller voir direct ça. Oh, il y a un beau pédalo. Ben, c'est ça. C'est pas un pédalo, c'est comme un genre de petit trailer que tu peux assurer du bon, hein. On va montrer sur l'autre bord. Puis, tu tires ça avec une motoneige. Regardez ça, il y a des skis. Hein? Il y a des skis après ça. Ça veut dire que c'est comme un genre de remorque pour les motoneiges, les skis doux. Il me fatigue vraiment, ce building-là. Il est crash pis il est lait. Waouh, j'ai hâte d'aller le voir. Bon, fait qu'on continue notre démarche. Hey, ça se peut que je la coupe la vidéo, que je la fasse en 2 parties, hein. Oubliez pas de liker mes vidéos. Fait que, on va voir. Oh! Poker, il est en train de se casser la gueule dans la grange. Fait que, on va aller voir ça, ce building-là. Excusez si j'attends un peu. J'ai l'air à entendre comme. Genre du bruit. Mais non, on est dans la forêt. Hein. C'est sûr qu'il y en a du bruit. Bon, on va aller
Hey, check ça, c'est hot, ça. Check ça, si c'est hot, ce building-là. Ben, c'est celui qu'on a vu, là. La rivière était juste en face, là. Ça, c'est le building barré. Regardez ça, ce que ça a l'air. Là. C'est vraiment crash. Vraiment en train de tomber en morceaux. Je sais pas trop c'est quoi qu'il a essayé de faire, là. Des vieux bouts de fenêtre qui a essayé de se faire un genre de véranda. C'est vraiment lit. C'est lit en crise. Pis ici, le toit est en train de tout tomber. Encore des portes. Et là, pas qu'on va le voir là-bas. Bon, pis c'est ça. Ça, c'est ces belles vieilles fenêtres. C'est vraiment lit. Mais, moi, je trouve ça quand même beau. Oh! Ce building-là, lui, il a mangé une bonne volée. Check ça. Il est tout effondré au complet. Ça, c'est comme un mur, puis le plafond. Puis l'autre mur qui est là. On voit mal avec la neige, là. Puis là, il y a comme un deuxième là-bas. On va aller essayer de voir au deuxième. Parce qu'on peut pas rien voir ici. On va se rapprocher un peu. Il y a plein de pic-pic. Moi, j'ai ça, des astis de pic-pic. Mais... ouais, ça s'est tout effondré sur le beau stock. Poke! Il est là, mon gars! Ah oui! Bon, on va aller voir en haut. Mon chien est énervé au bout, il arrête pas de courir comme un assis de malade. Bon, ben ça c'est le building avec le deuxième, hein. Ah, il va dormir tout à l'heure. Bon. Ça c'est le building tout effondré, regardez ça. C'est vraiment effondré, hein, je vous comptais pas des pipes. Oh, puis juste là-bas on peut voir qu'il y a encore des portes. Puis ça, là. Je sais pas si c'est des souches d'arbres. Mais l'autre bord, il y en a comme plein. Puis c'est fucking creepy, on dirait des bois de... des bois d'origno, genre. Bon, ben, ça a l'air qu'on ira pas au deuxième parce que tout le temps, c'est fondré. Oh, ça, c'est cool, ça. I'm gonna have the shot. Check ça. Cet arbre-là. Bon, ben, les boys, là, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Hein, je suis rendu à 1,5 mille dans le bois. On n'a pas pu aller à l'intérieur de bien des buildings. Hein. Finalement, c'est pas bien, c'est pas pantoute. Parce qu'ils sont tous comme barrés ou trop défoncés. Bon, ça arrive, la merde. Mais c'est la vie. C'est mieux qu'une crise de claque sur aïe. Avez-vous aimé ça, cette vidéo-là, les boys? De moi qui jacasse constamment. Ah, ça paraît pas, mais j'ai le pouce, l'index, puis mon fuck you, ben gelé à force de prendre la caméra de même. Là, il y a comme un autre chemin par là-bas. Ça a l'air intéressant, mais j'ai les doigts gelés. Fait qu'on va dire que c'était pas mal ça, la vidéo d'aujourd'hui, les boys. Mon exploration que j'ai faite avec vous autres. Et poker, hein? Poker, il explore en tabarnouche, lui. Faudrait que je m'achète un GoPro. Tu sais, un GoPro avec le genre de strap là qui tient le GoPro sur le jeton. Ça serait vraiment cool. Yeah! Fait que cotisez-vous, les boys. Oh, quoi ça? Quoi ça, cette affaire-là? C'est donc bien lit, ça. Bon, hey, les boys, ceux qui m'aiment vraiment, là, cotisez-vous donc pour m'acheter une belle GoPro. Ah, j'aimerais assez ça. Ça serait un tellement beau cadeau. Poker, il serait très content. Bon, ben, hey, je vous laisse là-dessus, les boys. Puis, si vous voulez des stickers, j'ai reçu mes beaux stickers. Ben, vous avez juste à m'envoyer une enveloppe préaffranchie. Puis, je vais vous envoyer un ou deux beaux stickers. Yeah! Si je suis gentil! Bye bye! On s'en va à la maison, mon gars. J'ai faim de manger une grosse pizza. Une grosse pizza? Du McDo? OK, on y va pour du McDo. Bye bye!
Hey, on avait bien mené ici, hein? Tu avais couru comme un fou, tout partout, à toute vitesse. Oh, 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 mais là, on attend, on est dans la rue. Même si on est à Saint-Ticlette des Murmures, on est dans la rue pareil. Fait que j'ai vraiment faim. C'est beau, ça. C'est beau!